Bonjour Stéphane, bonjour Loïc. Bonjour Frédéric. Alors, cette nouvelle acquisition. Magnifique. Magnifique. Une très belle machine. Oui. En fin de compte, c'est une réalisation père et fils, quoi. Donc, en fin de compte, c'est Loïc qui a dessiné tout l'esthétique de la machine. Le projet. Et on a défini nos besoins ensemble. Et puis aujourd'hui, on est très fiers. Alors, la société Alta, aujourd'hui, vous faites en êtes où? Faites ses 10 ans. Faites ses 10 ans. En fin de compte, oui, on est spécialisé dans le transfert industriel. Donc, on fait du démontage, remontage d'unités de production. Et donc, en fin de compte, la machine va nous permettre de pouvoir justement décharger de grosses presses. On est spécialisé dans le déplacement de grosses presses à injecter jusqu'à 30 tonnes. Donc, ça va être l'objectif premier de cette machine. Le parc Alta aujourd'hui est composé de combien de machines? Alors, on a reçu une 50 tonnes, une LTC toute neuve cette année. Il y a 2 mois. On a une 70 tonnes faune et puis la 150 tonnes. On a du camion bras jusqu'à 100 tonnes mètres et on a de la mini grue électrique aussi. D'accord. Et pour le transfert industriel? Du porte-char. Du porte-char. Ouais, notebook. Quatre essieux notebook. D'accord. Ouais. Et des engins de manutention de télescopique et puis après, c'est essentiellement tout ce qui est cric, roule, tout ce qu'il faut pour bouger, quoi. D'accord. La région de travail, c'est... Alors, c'est 90%, c'est l'Alsace, mais on part aussi en grand déplacement. On a fait un démantèlement d'unités sur Albi, d'unités de pain. Voilà, tout à fait. On se déplace, on est capable de se déplacer. D'accord, l'activité est bonne pour vous en ce moment? Oui. Très bonne. En fin de compte, Loïc nous a fait passer le MAS, donc on est accrédité, on est certifié MAS aujourd'hui, et donc du coup, on a un gros développement dans la chimie. Donc, vous êtes un levageur orienté un petit peu plus sur l'industrie que sur la construction. Oui, tout à fait. Oui. Mais bon, avec celle-là, on va aussi compléter un petit peu avec du bâtiment. Mais c'est 90% pour nous, c'est l'industrie et la chimie. Encore d'autres projets d'investissement, là, rapidement ou... Oui, l'année prochaine. L'année prochaine. Un nouveau camion bras. Ouais, je vais laisser passer le relais. Un Yab, la nouvelle IQ 138, sur un porteur, un Scania 8-4, en double genre. Machine, ouais. Alors, est-ce que vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les énergies nouvelles, c'est-à-dire les machines? Est-ce que ça vous intéresse de les avoir? On suit ça de près, savoir quelle va être l'évolution, parce que automatiquement dans notre domaine, il va y avoir un gros impact. Je veux dire, le déplacement de grosses machines avec les nouvelles énergies, je pense que ça sera un tournant à prendre qui ne sera pas facile à gérer. Donc oui, on le suit de près, oui. On reste attentif. Ouais, vous restez attentif et vous avez déjà une vision un petit peu de ce qui va se passer demain là-dedans? Est-ce que vous croyez par exemple à des énergies comme l'hydrogène? Est-ce que... Ah, l'hydrogène, ou là, je veux dire, l'hybride aussi, l'hybride. Avoir un système hybride, ça je pense que ça sera quelque chose de plus cohérent. C'est un peu plus compliqué, mais l'hybride, oui. Avoir une autonomie quand on accède au centre-ville ou en usine, ce genre de choses-là. Après, le gros déplacement, je pense que ça sera compliqué de le passer en tout électrique. Les locaux d'Alta sont situés où? À Sossail. Donc là, on vient d'acquérir également un bâtiment avec 1 hectare de terrain qui nous a permis de pouvoir faire du stockage pour nos clients. Donc on fait beaucoup de stockage temporaire, de presse, d'unités de production et on revient... après remettre en place. Félicitations pour cette belle acquisition et puis longue vie à Alta.